Aujourd'hui, c'est le retour officiel à l'école après un an d'arrêt. Oh, really nice! Good! Donc, ça, c'est le soin microdons. Ça, c'est un traitement ciblé de 20 minutes. Donc, c'est excellent pour des gens qui sont vraiment pressés avec le temps, ou même si vous avez un événement, puis vous voulez comme un petit éclat, vous pouvez faire ce traitement-là. Oh my god! Ok. Oh my god, c'est beau! Donc ça c'est notre espace. Good. C'est pas trop chaud, ça va? Non, ça va. Je vais l'accrocher un peu. Ok. Je vais commencer avec un huile démaquillante qui va enlever tous les traces de polluants, traces de maquillage, vêtements. Ok. Mais c'est ça, oui. Normalement c'est 80 $. Vous voulez demander pour le prix, right? Ouais. Ok, yeah. Bon, fait que le dernier clip que vous avez vu, en réalité, c'est mon traitement chez Dermalogica. Puis je vais prendre juste un deux petites minutes pour récapituler un petit peu ce que j'avais fait. Puis vous dire ce que j'en ai pensé parce que j'ai posté une photo sur Instagram. Ah, tu m'interromps! Chasser chez soi. Bonne douche là. Merci là. Regardez comment il est beau. C'est genre au mariage d'un de ses amis. Là. Ça c'est son ami JF. Ça c'est lui. Ok, c'est JF. C'est lui. Mon copain. Je pense pas que vous saviez son nom là, mais bref. C'est lui. Ensuite, ça c'est Pat. Ça, j'ai oublié c'est qui son nom, mais c'est lui qui s'est marié. Ensuite, il y a Kev. Ensuite, il y a Dom. Voilà. Trop full beau. Fait que je vais laisser ça ici. Ok, comme je disais, mon dernier clip, c'était chez Dermalogica. Puis en gros, c'est un peu une collaboration qu'on a faite ensemble. Moi, j'étais sur la rue McGill à Montréal. Puis honnêtement, c'était vraiment trop beau. Et puis en gros, moi, ils m'ont vraiment fait le gros traitement, là, si on veut. Qu'est-ce qui est vraiment fun, c'est que t'arrives, tu remplis une espèce de formulaire, comme vous avez vu dans le clip. Puis c'est des questions dans le sens... des antécédents ou des traitements que j'ai déjà faits ou des produits que j'utilise. Ensuite, tu tombes dans la salle, puis là, justement, tu te mets en robe de chambre seulement. Puis c'est tellement fou comme expérience, là. Tu sais, oui, c'est un espèce de facial. Mais en même temps, tu sais, il s'occupe de tes mains, tes pieds, tout ton estomac ici, là. Ton estomac, tout ton décolleté. Puis pour vrai, ça l'a tellement fait du bien, justement, là, dans sous ma photo sur Instagram. Vous me posez beaucoup de questions pour savoir mon avis par rapport à après ça et tout. Parce que moi, j'ai vraiment fait ça parce que j'ai eu beaucoup de boutons récemment. Là, je porte pas maquillage, fait que vous pouvez vraiment les voir, là, mes cicatrices qui sont vraiment ici et ici. Puis je veux dire, là, ça me complexe comme vraiment beaucoup. J'aime pas ça. Ils m'ont fait vraiment des exfoliants, des masques. Ils m'ont fait des extractions de points noirs. Et j'adore que ça a vraiment fait du bien parce que j'avais pas eu de façade depuis je sais plus pas combien d'années. Puis en temps normal, on est censé d'avoir ça à chaque saison. Puis honnêtement, après, je me suis jamais sentie la peau aussi propre et aussi pure que ça. C'était super glowy de façon naturelle. C'était super doux aussi. Puis qu'est-ce qui est fun, c'est qu'ils te regardent vraiment avec une espèce de des lunettes, un gros sang, une grosse lumière dans le front. Puis ils examinent vraiment partout sur ton visage pour diagnostiquer c'est quoi ton type de peau. Fait qu'en gros, moi, c'était déshydraté sur la zone T, ce qui est vraiment anormal parce que d'habitude, c'est le contraire.
Mais je suis très déshydratée sur mon front parce que j'ai pas de boutons là, mais en tout cas, déshydratée. Ici, j'ai de l'hyperpigmentation parce que j'ai des freckles et mes zones de problème justement qui étaient ici. Fait que après ton traitement, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils t'amènent sur une espèce de petit bord, si on veut là. Puis ils te montrent vraiment tous les produits pour que tu puisses les toucher puis savoir si t'aimes la texture, si t'aimes le feeling et tout sur votre peau. Puis sinon c'est vraiment fun justement, ils te conseillent une routine complète matin et soir, tout bien indiqué sur un papier et tout. Puis pour vrai c'est vraiment des foules de bons produits parce que c'est des produits qui sont plus comme dermatologiques si on veut. D'où vient le nom. Pour vrai, c'est juste malade. Fait que vraiment, là, un gros plus. Je vous en parlerai dans les prochaines semaines à venir aussi sur mon Instagram. Fait que suivez-moi là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire les petits updates pour vous tenir au courant de si ça a marché sur ma peau, si je vois une amélioration sur mes cicatrices, ma texture de peau. Fait que là, on est samedi en gros, puis je suis vraiment contente parce que je ne travaillerai plus dorénavant les samedis vu que l'école a recommencé cette semaine. Puis là, je pense vraiment pas que j'ai vlogué cette semaine. Là, j'avais vraiment l'intention de vlogger comme dans le métro, dans le train, en marchant, puis vous donner comme des petits up-to-dates, mais je suis morte de fatigue. Je compte plus vous en parler justement la semaine prochaine parce que cette semaine c'était vraiment tout nouveau pour moi. Je devais tester les transports en commun à n'en plus finir, comme pour de vrai là ça me prend au moins 1h45, 2h aller et même chose pour revenir. Fait que je passe comme ma vie dans le transport en commun depuis une semaine. Pour ceux qui le savent là, je suis allée en technique d'éducation spécialisée au collège La Sable. Il y en a beaucoup d'entre vous justement qui m'avaient recommandé de faire ça parce que vous me voyez faire ça. Et je vous confirme que je capote, mes cours sont super intéressants. J'ai rarement eu autant hâte de faire des lectures et d'aller à l'école parce que pour vrai là, les profs sont le fun, l'ambiance est le fun, les gens sont le fun, puis juste la technique et les cours en général, c'est super concret, super pratique, enfin comme qu'est-ce que j'aime. Je vais peut-être vlogger en soupant ou en faisant souper. On va se faire un spaghetti sauce bolognaise mais végé parce que vous le savez que je mange végé. Je vous dis un secret là, je suis full red amoureuse de lui. Il me fait triper. Puis je sais qu'il regarde mes vidéos. Yes, je t'aime. Un an. Mais parle-nous de ça un peu là. Ton expérience de végétarien. Non mais, dis-nous-le encore. Hein? Dis-nous-le encore. T'as fait ça pour quelle raison? T'es végé, toi? C'est vrai. Des hamburgers au genre viande. Saumon? Saumon, c'est pas de la viande? Ouais. Saumon et de la viande. Non mais y'a... Tu as fait ça dans la vidéo, elle savait pas que le saumon c'était de la viande. Non, non mais... Yann. T'es-tu gêné, là? Tu te filmes? Non. What am I gonna do? Cause the world means nothing when I'm stuck on you. Maybe you the truth. If you want me to, then show me something.